Personnellement, au début, je trouvais. Le contraste, mettre en valeur le contraste entre le français, l'eau et le tout à fait. On peut rattraper ça, peut-être avec les autres. Mais actuellement, on a produit les 29 parcs sur 30. C'est une fierté parce que c'est le premier projet à part extension pour Henri Constantin. On peut prendre 302 passagers. Vous savez pourquoi on a choisi cette couleur? Oui, parce que c'est les couleurs qui représentent Wilaya. Le blé. Bien sûr. On a fait des recherches. Moi, ça, j'ai fait. On a fait des recherches. Toutes les armoiries de ces blé, parce que les anciennes armoiries, oui. Il y avait du blé. Ce qui fait la couleur. Exact. Un rappel historique. C'est plus intéressant en termes solaires qu'en photovoltaïque. Non, il y a le photovoltaïque. C'est les deux. Pour l'extramuros, on a généralisé le système photovoltaïque. Sur le hinterland. Et au niveau local, au niveau de Bipersant, on a mis en exploitation. L'Algérie a un très grand gisement. C'est vraiment impressionnant par rapport au reste des pays développés. C'est-à-dire qu'on récupère tout ce qu'on peut en solaire. Par contre, en éolien, c'est beaucoup moins intéressant. Par contre, on a aussi une particularité, c'est les écrans TFT. Ça, c'est le seul projet qui a les écrans TFT. C'est la destination du client, aux besoins du client, c'est pour afficher des flux, l'éclairage LED. Par contre, l'intérieur en patchwork, ça aussi c'est particulier à ces blagues. Et franchement, ça fait très beau. On a une historique ensemble. Nous sommes très heureux de travailler. Beaucoup d'Algériens. Par exemple, Kibrit. Kibrit, oui. Allumettes. Les Algériens utilisent le mot Kibrit, mais ils ne savent pas que en Turquie, ils utilisent le mot Kibrit. Parce que l'empire ottoman, ils ont été musulmans. C'est bon. Ok, nous vous remercions. C'est moi. Merci.